Bonjour à tous, c'est Brest Kenobi, en compagnie de l'IRB03. Bonjour à toi. Salut. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une petite série sur le Frost Realms, où on présentera tous les membres, un par un. Donc on va commencer par les admins, donc l'IRB03 qui me donne du lapis, c'est tellement gentil de sa part. Merci à toi. Pas de rien. Bon bah tu vas te présenter, tu vas présenter ton projet, ce que t'as déjà fait, etc. Donc là on est au spawn, parce que je suis pas sûre ce que le Rex s'est montré dans ses vidéos. Donc là on est au spawn, voilà, c'est le spawn quoi. Ça prend forme petit à petit avec les maisons de chacun. Donc vas-y, je te laisse te présenter, montrer ce que tu veux présenter. Donc alors moi je joue à Minecraft depuis pas mal de temps. Donc là, je fais un peu de redstone, de la construction aussi, beaucoup. Parce que j'ai comme projet de faire une ville médiévale, donc avec un assez gros château. Donc on va vous montrer tout à l'heure. Donc j'ai d'abord fait une maison aussi médiévale au spawn. Donc avec un peu de redstone dedans, parce qu'il y a une usine à la tarte à la citrouille. Bon, on peut montrer les usines ou c'est pas la peine? Oui, vas-y, on y va. Alors par contre, je lag un petit peu à cause de ces usines, parce que je filme en même temps, mais c'est pas grave. Ça sera corrigé au rendu, donc hop. Ok, elle est en bas. En bas, donc voilà, c'est une salle des coffres. Et voilà, donc ici une usine à tarte à la citrouille avec des usines à citrouille, à œufs et à canne à sucre. Cabane AFK, d'accord. Donc le système, c'est peut-être pas la peine de montrer, c'est un truc assez basique avec des minecarts. Ouais. Si. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir ta base. Le début. Le début, oui. Bon, ça a déjà bien pris forme comparé à certaines personnes comme moi. C'est juste de la montagne détruite chez moi. Enfin, je ferai des épisodes un petit peu. Alors oui, sur la carte, on va montrer où c'est sur la carte. Petit point vert. Voilà, c'est le petit point vert ici sur la carte. Donc le spawn est ici par comparaison, donc c'est vraiment tout près. Moi, par exemple, j'habite par là. Dark Nick habite là. Torochelle habite par là. Enfin bref. Donc je te laisse montrer où tu habites. Ouais. J'y présente, hein, n'hésite pas à parler. Non, mais c'est bon. C'est un petit champ. On peut voir du chemin, un chemin avec du gravier. Donc un pont et une entrée que j'ai fait avec Haltman, qui est mon demi-frère, et donc on travaille ensemble sur cette ville. Donc voilà, intérieur. Petite entrée sympathique avec un système de porte à code. Que je désactive parce que c'est très chiant. Donc voilà, là, le début. Et là, il y a deux petites maisons. Donc il y en a une, c'est une usine à poulet. Et l'autre, c'est une usine à potions en souterrain. Donc oui. Pareil, un truc simple, mais efficace. Voilà. Hop. Mais je ne pouvais pas sortir. Bon, j'ai quelques petits lags, j'espère que ça se résoudra au rendu.
pense que ça se verra pas trop. Et j'ai fait une muraille, donc que je vais faire tout autour. Il faut savoir que Dark Link habite juste à côté de toi, du coup faut pas mélanger les deux empires. Ouais, voilà. Je m'étais dit au début, là c'est joli, là où a fait sa maison. Je vais faire mon château par là, je pense. Et puis non, bam, il a visité sa maison et puis il va partir, du coup. Du coup, je sépare nos empires. Voilà. Bon, on va aller voir peut-être le pattern de ta muraille, parce que là on voit pas très bien. Ouais, enfin, c'est simple, hein. C'est un peu de pierre, et de pierre encore. D'accord. Et du granit aussi. Il y a pas beaucoup. Non, c'est de la diorite. Il y a pas beaucoup de monde qui utilise la diorite comme ça, brute. Je trouve ça joli comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Je préfère la normale que la polished pour la diorite. Encore l'andésite, c'est très belle en polished, mais. Bah, y a de la poly et de la brute sur la tour. On a une très. On a une très belle vue du sommet de la muraille aussi. Ouais. Voilà, de tout ce qui était fait. Donc, je vois aussi que t'as fait un arbre, t'as commencé un arbre géant avec un beacon à l'intérieur. Ouais, mais c'est long, c'est très très long. Le feuillage surtout, ça va être très très long. Donc voilà, est-ce que t'as autre chose à présenter? Donc, t'avais fait une usine à mob aussi, qui était anciennement une usine à fer. Ouais, mais elle est pas du tout finie, faut que je refasse le système, tout ça. Je vais peut-être faire un autre design parce que ça fonctionne pas très très bien. Vous voyez, hop, c'est tout caché par un beau bâtiment. Voilà, on va monter en haut, on n'est pas monté en haut, c'est un pléonasme, mais voir un petit peu ce qu'il y a sur les hauteurs. Donc c'est un biome extrémiste où tu as choisi de t'installer. Pourquoi ce choix? Je sais pas, je trouve ça joli, et puis surtout avec la rivière qui passe en dessous. Je trouvais que c'était joli de faire un pont par là avec ensuite une cité un peu enfermée par les montagnes, justement. Ouais, bah, c'est vrai que ça rend très joli. Un peu comme toi, hein. Bah, moi, c'est... En fait, c'est une presqu'île. C'est un peu comme le Mont Saint-Michel, mon truc. Parce que c'est une presqu'île, sauf que là, c'est entouré de montagnes. Et il y a une grande tour à l'intérieur. Ouais. Et bon, c'est en cours de construction. Enfin, là, je fais d'abord le terraforming et ensuite la construction. C'est très très long. Je vous montrerai après. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. T'as d'autres trucs à montrer? Moi, ouais, j'ai fini. Pour l'instant, j'ai fait que ça. Bah, que ça, c'est quand même toi qui as fait le plus pour l'instant. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, il y a Altnam, donc ton demi-frère qui joue avec toi. Ouais. Aussi. Et tu es premier au compteur des diamants, c'est important à préciser. Ouais, j'essaie d'aller rattraper le record du monde. Record du monde inventé par nous-mêmes, hein. Voilà. Et puis, voilà. Donc, tu étais admin du serveur pour le deuxième abonnement de suite. Ouais. Voilà. Ouais, c'est nickel. Donc voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que vous suivrez les IRPS éventuellement. Enfin, l'IRPS. Putain, je suis nul. IRPS. Putain. Je fais des erreurs sur les pseudos. Enfin, c'est n'importe quoi. Je sais très bien que ça se prononce l'IRPS en plus. Ah bon, peut-être. Non! Heureusement que j'ai fait The Falling. Sinon, j'étais mort. En plus, je suis un boulet, j'ai même pas atterri dans l'eau. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour d'autres présentations et la suite de mon projet personnel. Allez, salut. Salut. On fera des world tours, on verra tout.